Ces dessins ont été réalisés en 1969 par les élèves de classe de fin d'études dans des écoles de 6 communes ardéchoises situées sur le plateau de Colombier, au nord-ouest de Valence. Au-delà du certificat d'études, ces enfants de 11-12 ans n'allaient plus à l'école. Et certains d'entre eux étaient placés par la DAS dans les familles du plateau. Les enfants travaillaient avec les parents et connaissaient avec la même précision qu'eux les savoirs savants diffusés par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ainsi que les savoirs et savoir-faire pratiqués par les familles dans les vergers. Comme les parents, ces enfants n'assistaient pas aux réunions d'information de l'INRA. Pourtant, les informations se transmettaient jusqu'à eux, de bouche à oreille, avec exactitude. Spécialiste du travail agricole, et de la difficile condition paysanne, Michel Salmona, sociologue, proposait à ses enfants un sujet de rédaction. Décrire les habitats des animaux de la ferme, décrire les vergers environnants, et décrire leur village dans 20 ans, puis elle leur demandait de réaliser des dessins sur le même sujet. Les dessins des vergers sont particulièrement diversifiés dans leur traitement graphique, avec une alternance claire des saisons et du soin apporté à la culture. Pêchers et cerisiers s'épanouissent partout, même le détail des fumures apparaît.
Si l'espace des animaux privilégie la basse-cour, d'autres espèces sont aussi présentes. Moutons, vaches, chèvres, animaux domestiques se distinguent par des graphismes variés et côtoient poules, coqs et lapins. À travers une palette de couleurs vives, les dessins des villages, où la perspective est souvent absente, sont tout à fait saisissants. Les voies de communication sont omniprésentes, routes, chemins de campagne, sentiers très colorés, relient les habitats entre eux. Certains dessins nous font découvrir aussi des vues d'avions parfaitement inattendues. Fait marquant, la surface de la feuille de dessin est toujours utilisée dans son cadre intégral. La vision originale de chaque enfant nous rappelle la peinture figurative contemporaine sous bien des aspects. Le contact établi avec les paysans et leurs enfants ont permis de mesurer les potentialités de mobilisation sociale et technique de cette population du plateau, avec le soutien principalement des enseignants catholiques, des mères et des enfants eux-mêmes.